Alors d'abord, j'aimerais remercier les conférencières et les conférenciers qui ont contribué à la réussite de ce colloque et j'espère que vous partagerez avec moi le sentiment que c'est un colloque qui est effectivement réussi. Je crois qu'on a vraiment mesuré au cours de ces deux jours l'importance des SHS et de tous les concepts qui ont été créés dans différents champs des sciences humaines et sociales pour comprendre les différentes pratiques en cancérologie. Et ceci, je tiens à insister sur ce point, loin de tout positionnement idéologique dont certains voudraient les accuser et par lesquels ils se sentiraient menacés. Donc vous voyez à quoi je fais référence. Alors, il n'y a évidemment pas que les SHS, et on a pu mesurer combien la réflexion aussi des soignants était précieuse dans cette élaboration théorique. Donc, comme l'a dit Jean-Yves en préambule de ce colloque, les questions qui ont été abordées, les questions d'inégalité, d'injustice, en particulier aussi injustice environnementale et de discrimination sont importantes et donc devront faire l'objet de la poursuite d'un travail analytique. Donc je pense que ce congrès aura été une vraie contribution à cette réflexion collective. Alors je tiens aussi à remercier, depuis très longtemps, mais je tiens à remercier l'audience pour la haute tenue des débats, bien évidemment l'ensemble du comité organisateur qui a œuvré pour cet événement ait lieu. Alors, une mention particulière à Sophie et à Pierre, qui se sont particulièrement investis dans l'organisation de ce colloque. Enfin, je ne sais pas si Lily est encore là, non, elle n'est plus là. En fait, je tenais aussi à la remercier parce qu'elle a illustré avec talent, pendant ces deux jours, l'ensemble de nos discussions et de nos débats. Elle a su résumer en une série de dessins, toujours remplis d'humour, ce que nous étions amenés à discuter, et même voire à exprimer le refoulé de nos propos. Je pense en particulier à sa première diapositive qui est en train de devenir virale sur le site du Centre Landéra. On pourra l'échanger si vous ne l'avez pas. Donc, voilà. Donc, le refoulé, donc, pour continuer à filer la métaphore psychanalytique, Gisèle nous rappelait ce matin une pensée de Jacques Lacan. Il disait « Le réel, c'est ce qui cogne ». Alors, si c'est le cas, pas de doute, l'organisation de ce colloque, on a été dans le réel. Il n'y a pas d'ambiguïté à cet égard, mais si le réel, c'est aussi la passion, l'élaboration collective, l'affect, je pense que ça a été aussi le cas de ce colloque, la stimulation intellectuelle, ça a été aussi le cas dans ce colloque, et on a été dans le réel. D'ailleurs, c'est le sentiment que j'ai eu, je ne sais pas si ça a été beau, d'être dans une forme de réel très aiguë au cours de ce colloque, parce qu'on a abordé des questions qui ne sont pas les questions qu'on aborde tous les jours en cancérologie. Et je pense que Le défi pour nous tous, ça va être de poursuivre cette réflexion qu'on a initiée ici. Alors, elle existe déjà dans de nombreux autres pays, mais il me semble qu'elle n'est pas aussi fréquente en France. Et je pense que maintenant, c'est votre défi, notre défi, pour poursuivre le travail qui a été initié ici. Donc, je tiens vraiment à tous vous remercier. Je pense que c'est un colloque qui fera date, au moins pour nous, qui avons œuvré à son organisation, mais aussi, j'espère, pour vous tous. Merci.